Thierry, Ouais. y a-t-il un pilote dans l'avion? Oui. Pas partout, hein. Mais c'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs. Hey, les gars! Bon, allez, moi je suis monté dedans. Je l'ai laissé dormir là. Ouais. Alors, y a-t-il un pilote dans l'avion? Le sujet, c'est les chefs de projet. Alors, anecdote comme d'hab, histoire de titiller un peu le truc, amener un peu d'émotion, et après, des bons messages. Expérience. Un jour, j'avais un patron qui me dit Thierry, il y a un sujet sur les addictions qu'il faut, il faut prendre, il faut s'en occuper, il faut qu'on y aille, machin. Ok, bon, okay. On y va. Allez, on y va. Bon. Et il me dit vous préparez tout, vous me dites, on valide et puis on envoie. Ok. Donc moi, je vais réfléchir 2-3 minutes. Je vais contacter, je commence à prendre contact avec des personnes, dont un à qui je vais voir et je lui dis ça te branche ou pas, chef de projet sur le sujet, pour m'aider là-dessus sur cette thématique-là. Il me dit, ouais, j'ai une petite appétence parce que j'ai déjà un peu bossé là-dessus. Ouais, ça me plaît bien. Ouais, vas-y, tu peux proposer. Non, ça roule. Donc, je vais voir le patron au bout de quelques temps. Projet, présentation, explication, voilà comment je vais m'y prendre. Et la liste de courses, notamment les personnes. C'est-à-dire, moi, vu de ma fenêtre, le pilotage, je le confierais à cette personne-là, parce que voilà, et puis en plus j'ai échangé avec elle, elle avait plutôt une appétence sur le sujet. Dans le comité de pilotage, je verrai ta, parce que ça me paraît bien. Il me dit bah lui non, parce que je vais le mettre sur autre chose. Lui en ce moment c'est un peu tendu, donc non. Par contre lui oui, donc il met un peu sa stratégie là-dedans. Par contre le pilote, il me dit moi je vous laisse, je vous fais confiance, pas de problème. Bon, il rencontre, ok, ça roule, on y va. Ça a marché jusque-là. Ce pilote-là, changement de patron. Et le nouveau patron qui arrive dit à ce pilote, j'ai un dossier stratosphérique à vous confier, 3 ans de boulot, donc je vous sors du pilotage de certains projets, notamment addiction, et je vais vous en donner un qui est d'envergure, qui est plutôt stratégique. Vous allez vous éclater comme un gros malade, mais par contre, vous allez sortir de l'addiction. Donc il me dit ça, bon, ok, moi je gère, il n'y a pas de problème. Donc, je lui dis, je vais vous proposer quelques autres pilotes. Non. D'accord. Il me dit, vous allez mettre en pilote monsieur un tel et madame un tel. Et je lui dis, deux pilotes qui s'entendent pas, un qui a pas trop l'appétence sur le sujet et qui est plutôt réputé pour être un peu jean-foutiste. Et Bon. l'autre consomme, non? Et l'autre, c'est un peu un consommateur, c'est-à-dire qu'il vient, ah, c'est sympa, ouais, c'est sympa. Alors, t'as fait quoi d'un rayon? T'as piloté et tout? Bah non, bah, il parle des addictions, donc c'est sympa. Oui, non, mais juste, bon. Et donc, je l'alerte, je lui dis, attention, si vous mettez ces deux personnages-là en pilotage, un, moi, je vais galérer parce qu'ils n'ont pas d'engagement. Deux, le projet, il doit durer 6 mois, 7, non, 8, 9 mois, 8, 9 mois à la naissance d'un enfant. Et pas commencé. Et les autres, On n'a pas commencé encore, que déjà, de toute façon, il va prendre 3 ans à la tronche. Et il me dit, non, non, différent, c'est comme ça, on y va. Enfin, il n'était pas violent, mais il me dit, non, non, Thierry, je préfère parce que moi, j'ai d'autres choses là, donc je voudrais qu'on fasse plutôt comme ça. Allons-y, je vous ai informé que ça peut péter, donc allons-y. Schnell. Un mois se passe, un comité de pilotage. Rien. Que dalle. 2 mois, deuxième comité de pilotage. Donc moi, entre-temps, les deux pilotes là, venez voir dans mon petit bureau en off, je vous offre un café. Et après, j'ai dit ce qu'il fallait que je dise. Donc ça grince un peu. Deuxième comité de pilotage, sortir les rames. Les syndicats commencent à rentrer dans le système parce que bah, ça fonctionne pas, ça avance pas, donc ça déplaît, et c'est normal. C'est là où on s'en sable. Ah. Moi, ça commence un peu à monter un petit peu en pression. Et en fait, je suis retourné voir mon patron, je lui dis, les pilotes, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, et ça fout le projet en l'air. On continue, Thierry, on continue. Ok, ben, l'addiction, on l'a fait en format que dalle. Il y a ce qui est sorti, les petites affiches, les gens un peu ou pas trop impliqués, l'engagement en dessous de la terre, et donc projet. Mort. En gros, mort, quand je dis mort, moi, c'est que pas de résultat en finale. Et un truc qui s'est fait, hein, ça s'est fait, mais ça s'est fait au forceps. Donc ça, c'est pénible. Donc, dans le choix des pilotes et dans la façon dont vous pouvez convaincre votre patron que ce pilote que vous proposez, il est c'est lui, c'est par lui que ça va fonctionner. C'est le il faut vraiment vous battre sur ça. Engagé, Il faut se utile. battre, il faut se battre, il faut se battre pour avoir le pilote le mieux adapté au projet que vous allez pouvoir accompagner avec votre fonction support si vous êtes support. Mais c'est essentiel, essentiel. Enfin, je te fais ça pour. À bientôt.